Salut YouTube! Voilà, après ce week-end fatigant mais exceptionnel, franchement c'était cool, je me suis bien marré. Eh bien, on profite d'une petite soirée là, hop! On va faire du contrôle! Parce que contrôle c'est bien. On en est où? Je sais plus où on était. Hein. On avait récupéré des trucs, je crois. Hein. On avait récupéré des trucs, on avait tué des machins. C'est à peu près ce que j'ai compris du jeu pour l'instant. On avait appelé avec le téléphone en bakélite là. Voilà. Alors, trouver le traitement de la pièce noire. Attendez si je me rappelle. Ah non, bah c'est pas. Bah non, bah voilà. Bah voilà, je me rappelle pas. Non, c'est ça. Ah oui, c'est vrai! Il y avait. Il y a le. Ah, il y a toute une partie à droite, j'avais jamais fait gaffe. Il y a, comment dirais-je, la carte où on comprend que dalle. Ça n'a pas bougé, hein. Ok, donc ça, c'est pour balancer des merdasses. Mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Je sais pas. Je ne sais pas. Parce que, mais l'ascenseur... Ah bah non, l'ascenseur il est à côté. Ah bah oui. Ah d'accord, bah c'est ça. Je venais à l'ascenseur. Oh là là. Et je me rappelle. Tonyab. Salut patatarte. Les PNJ de jeu sont tellement cringe. Et les scènes de dialogue où les yeux regardent dans le vide et pas dans la direction de l'interlocutrice, c'est très de cannibalet. Alors de ça, le jeu est top. Oui, non, c'est vrai que le jeu est cool. Mais oui, effectivement, si on bouge, les chances et probabilités... Ouais, la carte. Je veux aller faire pipi. Non. Mais oui, c'est vrai que si on bouge notre personnage pendant qu'il nous cause, et ben en fait, il reste les yeux droit devant. C'est un peu zarbi. Ah! Oh, 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 la porte. Ah, la porte qui bug. La porte qui bug. C'est par là. Hein. Mais non, mais. Oh, je me suis encore gouré. Oh, mais j'arrive vraiment pas à lire la carte. Hein. C'est ouf. Hein. Par là? Bah, ouais, c'est par là, mais je fais comment pour y aller? Ah mais je peux me téléporter, je suis... Non mais je suis le roi des connards. J'ai oublié que je peux me téléporter. Non, j'ai pas la clé 5. Y'a quoi dans capacité là? Ah j'ai un point. On fout. Oui mais je peux m'en... Voilà. En fait je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Hein. J'aurais dû faire ça depuis le début. Hein. Voilà, y'a l'ascenseur qui est à côté. Papapam, qu'est-ce que vous disiez que j'espère que tu as les DLC, ils sont très bien. J'ai le jeu sur Epic et Collegram. Mais je sais pas si j'ai les DLC. La porte qui bug dans un jeu, les portes s'ouvrent toutes seules, les objets s'éparpillent. Oui, c'est vrai. Mais là, là, elle bugue encore plus. Est-ce que j'ai parlé à la machine ? Non, j'ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de tout. J'aime bien. Hop, je m'assois et direct, hop, je m'en vais. Bonne idée d'avoir boosté la vie, mais tu restes une chips. Désolé. Eh dis donc. Eh dis donc. Qui me parle meilleur. Hein.
J'ai enfin commandé des disques durs, le Pro en 4K. Ne connaîtra pas de pénurie. Ah là là, on te reconnaît bien là, mon cher Patatarte. Marshall knows something about Dylan. Is he here? Is he all right? Pourquoi ça me change le truc à chaque fois là? Mais je suis où? Maintenant centrale. Ah merde! Non mais attendez, c'est complètement con. C'est complètement con. L'ascenseur... Non mais... L'ascenseur, le deuxième étage là, ça mène ici, là où je viens d'arriver. Et le troisième étage, ça mène de l'autre côté. Alors que les trucs sont pas du tout l'un au-dessus de l'autre quoi. C'est complètement con. Est-ce que j'ai fait la formation? Oui, j'ai fait la formation. C'est complètement con. Ouais, non mais bon, à un moment, voilà quoi. Oh là là, puis il y a encore les... Oh là là! Oh là là, mais j'ai tellement pris la max là! Comment ça se fait? Bah ouais, forcément, ouais. Par contre, je pense que tu confonds les ascenseurs, non? Car normalement, ils sont cohérents. Bah non, parce que j'avais pris cette... J'avais pris cet ascenseur-là et j'étais arrivé sur le centre de maintenance, là. Bah, j'étais arrivé de l'autre côté de l'étage, là, quoi. Bah. Et dehors. Ouf, voir ça. Merde. Yes, non. Y'a les choupetteurs là, y'a les choupetteurs, je veux pas les choupetteurs moi. Ah je peux le... Merde. Regardez, hop. Tac. Parfait. Après j'en fous plein la gueule. Ça lui apprendra. Bon. Ensuite, je vais où? Parce que c'est pas le tout, mais comme d'habitude on comprend rien. C'est bon les chips. Merci Patatarte pour cette réflexion hautement philosophique. Que ferait-on sans toi? Attendez, c'est pas là, donc c'est l'autre là-bas. Ça, hein? Non, pas du tout. C'est là. Après je descends et... En fait j'aurais pu me téléporter je crois qu'il y avait un truc, non? Oh je sais plus. Oh je sais plus, il y avait un truc sûrement. Bon. Il y avait sûrement un truc pour me téléporter, j'ai oublié. Ouais bah voilà, il y avait ça quoi. Attendez, est-ce que je peux pas me déplacer plus près? Non, les deux autres sont là et là quoi. Non mais alors par contre les checkpoints ils sont nuls à cet étage. Hein. Ils sont tous les uns à côté des autres quoi, c'est nul tiers, vraiment...
Tiens, j'avais ouvert lui ou pas, hein? Pas souvenir de l'avoir ouvert. Oh si, je l'avais ouvert. Ensuite, je vais où? Je vais par là? Oh, je suis tellement paumé. Oh, je suis full paumé, hein. Non, faut que je monte. Je suis full paumé. Putain, mais c'est par où? Allô, par où c'est? Mais c'est une blague? Attendez. Il me dit que je, il me dit genre qu'il y a un truc. Genre, il y a un truc à droite là. Aïe. Mes genoux. Non, mais elle est horrible. Hein. La carte. Franchement, mais la prochaine fois que vous faites un jeu Remedy, vous demandez à Bethesda. Vous appelez Bethesda, vous dites bonjour Bethesda. Est-ce qu'on pourrait avoir la carte de Doom Eternal, s'il vous plaît? Et normalement, ils vont vous dire oui, oui, attendez, regardez, hop, on vous la donne. Utilisez-la, hein, parce que vraiment, votre carte, elle est nulle. Hein. Elle est lisible, on comprend rien. Hein. Et là, Remedy vont faire, ah merci. Effectivement, c'est vrai que notre carte était vraiment nulle à chier. Hein. Mais ça fait 12 fois que je fais le tour. Il y a des panneaux pour te guider, ok. Alors, un panal. Alors, un panal. Alors, un panal. Un panal. Ok, un panal. Ouh, le panal. Ah, regardez. Hop, regardez, là c'est marqué. Regardez, là c'est marqué. Ah, regardez, là c'est marqué. D'accord, donc là je suis là, et donc là de toute façon je peux aller qu'à droite. Hein. Ah non, power plant. Mais la power plant, on s'en fout. Moi je veux aller... Salle d'Atlas là, je... Il y a la salle chelou là, mais je peux pas rentrer dedans. Et quand je rentre dedans, je vois des trucs bizarres. À droite, le jeu te dit qu'il n'y a pas le traitement de la pierre noire. Bah, power plant, il n'y a rien non plus. J'en viens de power plant. Puis genre des panneaux. Genre quand t'es sur la route, toi. T'es là. Avec ta voiture ou ton vélo. Tu veux aller à Paris. T'habites à Marseille. Et le panneau te dit Lyon. Est-ce que tu fais demi-tour? Ou est-ce que tu vas direction Lyon? Vraie question, hein. De mémoire, c'est l'ascenseur dans la salle de commande. Ah, là, tu vois. Ça, c'est un... Ça, c'est une vraie info. Salle de commande. Je vais essayer d'aller dans la salle de commande. Non, mais par contre, faut... Non, mais avouez. Avouez que la carte, elle est nulle. Elle est vraiment à chier la carte. Honnêtement. Ah bah oui, bah voilà, d'accord. Donc... Pour aller à droite, faut aller en haut.
Vraiment. Vraiment. Des génies. Attendez, là je monte. Ah d'accord, j'arrive à l'étage au-dessus. Sur la carte. Oh là 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 là. Oh, c'est une catastrophe. Hein. J'ai pas le... J'ai pas la carte 5 là. Ah, merci Johanna, ouais, du coup. Bah non, j'ai... Putain, mais j'ai pas la carte 5. Peut-être elle est là la carte, non? Peut-être qu'il a planqué dans le truc, non? La salle d'Atlas. Maintenant, salle d'Atlas. Attendez, on va essayer de trouver ça. Maintenance. Salle d'Atlas, c'est où? Putain, c'est pas marqué. Ah, ou alors on arrive par le haut? Ah, ou alors j'arrive par le haut. Là, vous voyez, j'essayais de rattraper par en dessous de ventilation, tout ça, là au-dessus. En fait, ça se trouve, c'est par tout en haut qu'il faut passer. J'ai quelle carte? Mais je sais même pas, moi. Qu'est-ce que j'ai comme carte, là? C'est pas indiqué. On sait pas les cartes qu'on a. Ressources. Si, j'ai un niveau 4. Voilà. Putain, on se croirait dans Metal Gear 1 sur NES. Les cartes d'accès. Je vais tout casser. Si je trouve pas où aller. Il faut que je remonte. Attendez. Ventilation, non. Ah non, mais c'est bon là. Vous voyez, là maintenant que je suis là, ouais, vas-y, je continue. Mais de l'autre côté. From the other side. Là. Là, je vais à gauche. Nice! Quel génie. Ça y est. J'ai trouvé. Eh bien, pas du tout! Parce qu'on peut pas passer à travers le mur. Oh là, c'est une horreur. Coucou Blacky, comment ça va? Je la trouve cohérente. Pas pratique, mais cohérente avec le jeu. Non, mais elle est pas pratique du tout. Tu vois pas les étages en fait. Là, tu vois, tu sais pas où t'es en fait. Tu sais pas à quel niveau de ce floor là, je suis, de ce secteur là, tu es. Et c'est sur plusieurs niveaux. Donc c'est illisible quoi. C'est un jeu qui est sur rail. Ouais, mais bon, je fais des pauses quoi. Problème, c'est que je fais des pauses quoi. Si le jeu a pas prévu que je fasse une pause de temps en temps. Ça va, je vais encore. Attends, je vais aller recouler ce soir. Je suis en train de manger devant mon énigme du professeur. À tes souhaits. J'espère que vous amusez YouTube à me voir tourner en rond comme un con. J'espère que c'est parfait. Alors faut que je descende là. Attendez, je vais essayer de descendre.
Là, il y a quoi là-dedans? Non, là-dedans, il y a qu'une grosse machine là, parfait. T'en fous. Je suis déjà tellement loin quoi. Faut que je retourne à la maintenance centrale, non? Dans des ventilations ou le Yann Itor. Attendez, je suis là. Putain, puis y'a rien pour là-haut quoi, c'est chiant. Allez. Ah merde. Ah le pire, le pire. Non mais c'est pas le bon bouton ça. Et là faut que j'aille tout droit là. Let's go to central maintenance. Ben, ils vont encore me harasser là. Ils vont ma gros, c'est sûr. Bah oh là là, c'était sûr. Oh, non mais vas-y. Non mais je m'en fous. Salut. Salut les gars. Hein. Merci, ça m'a fait plaisir. Hein. Voilà. Oh merde! Oh y'a une bouboule! Y'a une bouboule! Y'a la bouboule qui soigne là! Ouais. Ok. Dommage. Voilà, merci. Ah, il y en a encore un. Petit connard. Non? Pourquoi je me suis pris une balle? Ah mais t'as des pulsions là machin, j'en ai besoin de ça. Non? Pourquoi? Mode d'arme plein. Non c'est quoi? Amélioration de zoom perforant, ouais non on s'en fout. Oui j'ai trop d'objets mais c'est comme Ah bah oui, je l'ai le 4 maintenant. Ah bah oui. Ah bah voilà pourquoi. Ah
Merde. Et qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Qu'ai-je donc fait? Pour mériter ça, hein? Super. Tant pis, c'est pas grave. Ah oui, regardez, hop. C'est quoi ça? Je sais pas ce que ça fait. Je sais pas ce que ça fait. Et non, elles sont pas en forme les turbines. Hein. Petite turbine là. Ah merde, il y a une porte là-haut. Merde. Non! Non, reviens! Reviens! Please! Oh non, mais elle prend tout. Je suis en train de tout récupérer quoi. Voilà, merci. Elle est en train de tout récupérer sauf ce dont j'ai besoin quoi. Super hein. Il y a l'autre là-bas sinon, non? Bon. Merde! Oh, il est rentré! Ah, il est rentré dans l'autre! C'est exactement ce que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire. Voilà. Tu te compliques tellement les tirs comme ça. Je complique rien du tout. Complique rien du tout, rien du tout. Un tra-la-la-la-la-la. C'est quoi ça? Ah ok, d'accord, ok. Si on volait, eh ben on aurait pu y aller directement. Et là on va retourner donc du coup dans... Hop là, le petit motel. C'est quoi? Ouais, non, non, mais c'est bon. Ça marche jamais là, leur truc timé. Tu tires depuis en dessous de la turbine qui tourne et le prend l'escalier pour tirer tout droit. Ouais, mais c'est plus rigolo. Où est le fun? Où est le fun dans le fait Alors, qu'est-ce que ça m'a ouvert? Ça m'a ouvert ça. Ça, c'est nul. Bonjour. C'est nul. Donc... m'a ouvert à côté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une chaise. Nous avons... Je suis vraiment en train de faire le ménage dans la chambre, c'est ça? Oh non, mais doit y avoir un truc particulier qui fait que... Oh, faut que les chambres soient similaires, une connerie dans le genre, quoi. Ah. Ah et là j'ai ouvert les deux portes, ok. Et donc faut que les chambres soient à raccord quoi. Donc la chaise tordue. La chaise faut qu'elle soit tordue. La radio à droite. La radio à droite, le truc il est bien. Et la plante à gauche. Ok, donc j'ai tout mis comme il faut. Et donc ça m'a... Non, ça m'a ouvert au fond. Voilà. Hop, la clé. Les jeux énigmes... je suis pas si mauvais, regarde. Combien de temps ça m'a pris à trouver?
Regardez maintenant, il y a le pont. J'avais dit que c'était mauvais. Tu râles dès qu'il y a une énigme. Oui, mais dans un jeu d'action, une énigme. J'ai pas bourré. Okay, we need to find a way to Blackrock processing. That's where Marshall said we'd find a prism. Il y a probablement une porte, ouais. Il y a probablement une porte pour accéder, pour accéder à la pièce. Désolé, hein. Désolé, la porte. C'était plus facile de tout défoncer. Bisous. Alors, les cabinets. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Personne n'a laissé traîner de dossier par terre dans les cabinets comme ils font habituellement. La porte elle est fermée. Ça se bat dans le coin là. Arrêtez de vous battre. Va falloir que j'y aille. Merde. Allez hop, un de plus. Tu connard. Arrêtez de me tirer dessus. Encore ? Eh bien. Allez. Hey, space, up here. C'est ça, ouais. Non, faut que j'aille récupérer mon machin, moi. Là, il y avait un dossier. J'ai vu qu'il y avait un dossier, regardez. Hop là, petit dossier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hypothèse concernant l'Atlas. L'Atlas est une expression physique émanant de l'ancienne maison. Son but et sa fonction sont encore inconnus. La forme et les dimensions de l'Atlas, voire dossier ATL03 pour les dimensions, semble indiquer une finalité plus évidente que les murs, les planchers ou les mutations habituelles de l'ancienne maison. L'Atlas change de forme, mais en se dérobant à l'observation. Il n'a jamais été observé directement en train de le faire. Lorsqu'il est surveillé par des caméras de surveillance, cela ne se produit qu'entre deux photogrammes. On a mis l'hypothèse que ce changement correspondait aux mutations de la maison et que l'Atlas serait une de la elle-même. Cependant, il ne change pas pendant les mutations de la maison, ce qui rend cette hypothèse très peu probable. Structurellement, l'Atlas est fait du même matériau que le reste de l'ancienne maison. Nous espérons que de futures observations permettront de découvrir sa finalité. Le dossier 8373592 contient un rapport complet.
J'ai visité les cabinets. J'ai visité les cabinets. Donc j'ai des ressources. Non, c'est pas ces ressources. Si, c'est ces ressources. Non. Si. Non, c'est celle-là. Voilà. Ça, c'est plein. Ça, c'est plein. Et quand c'est plein, faut que je le vide. Filtré par rareté. Thank you, sir. Dégâts contre l'armure, par exemple. Paf, nul. Donc, I recycle. Ça, c'est... Ça, voilà. Ça, ça se trouve bien. Donc, c'est nul. Regardez, on va dire que tout ce qui est 1, c'est nul. Partons du principe que si c'est 1, c'est nul. Par exemple, celui-là. Projectile tiré, plus 4. On pourrait changer notre truc. Ben voilà. Tout de suite, c'est mieux. Regarde, là, j'ai 2, 1, en fait, là. Pareil. Donc, est-ce que je peux pas trouver du mieux? Bah, non. Pareil, là, j'ai du 2 et du 3. C'est quoi, ça? Améliorer le bouclier, ouais. La vitesse de saisie. Ça, admettons que c'est du 1. Le 1, caca. Caca, on enlève. Voilà. Hop. Ça, c'était caca, on a tout enlevé. Là, j'ai récupéré autre chose. Il y a des armes, c'est super. Ah, bah, je vais pouvoir récupérer un truc. Il y a aussi un truc que j'ai à récupérer, là. Voilà. Les contre-mesures du comité. Bam. Tactique. Putain, c'est assez chiant que le truc se bloque, là, à chaque fois. Ce vieux bug. Tous les ennemis avec le lancer. Ah oui, il faut que je bute des ennemis avec le lancer. Les soldats du IS. Ok. Tuer des ennemis avec l'arme de service en mode rotation, je l'ai pas encore. Avec l'arme préparation, je l'ai pas encore. Le secteur de la recherche avec des capacités. Ok. Est-ce que je peux construire... Ah, je peux construire le rotation maintenant. Oh là là. Salut Gabel. Je vais faire mon leurre cuisine. Quoi, t'as pas encore mangé? Bah alors. Mais alors? Qu'est-ce que t'as l'intention de te faire à manger du coup? Donc maintenant, j'ai l'arme en mode rotation. Je suis ravi. Alors, en mode prise. Alors, brisure, c'est vrai que j'utilise pas souvent. Et donc, voilà, je peux... Ah non, j'avais fait perfo. Merde. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas vu que j'avais fait perfo. Amélioration. Dégâts en visant, plus 26. Voilà, on peut mettre ça. Et rotation. Oh! Oh! Oui. Brisure, c'est un pompe, c'est sympa les couloirs. Ouais, mais tu vois là, je... J'ai ma petite tirette là, elle est pas mal. Les contre-mesures du comité du coup, stratégie en mode rotation, voilà, tuer les ennemis avec le mode rotation. Bam. Bam bam bam. Moi j'ai bien comme les hobbits, à peu près un miam toutes les 3 heures. Ah oui d'accord, perforation, c'est top dans certaines situations, surtout avec le mode qui annule le temps de charge. Rotation je déteste, ouais mais tu vois j'ai un truc à récupérer là, il y a le comité. Il y a le comité qui veut que j'utilise le mode rotation. Bah, il veut que j'utilise le mode perforation aussi, mais on le fera après. J'ai envie de tout faire. C'est qui le mec à qui je dois parler là? Putain. Il est là-haut?
Il y a des voix dans ma tête en plus là. Ah tiens. Alors comme d'hab, je vais écouter directement là, sinon c'est nul. Kevin Horowitz, Rupert Wells. Our mission was to map quarry grid coordinates G29. Secondary objective, as always, was to find a route from the threshold entrance and maintenance to the formation. Secondary objective was not a success. What a surprise. And did you encounter any previously unrecorded event or entity while inside the threshold? No, nothing. Do you think we should tell him about the mermaid? Excuse me? Yeah, the mermaid. Horowitz here found this mermaid in the quarry, just sitting on some black rock. She was singing this beautiful song, and he was overcome with desire. She was so alluring. I'd say she was more enchanting than alluring. Fine, enchanting. Did you tell your CO about this? No. Because it didn't happen. Nothing happened. As usual, the quarry is full of rocks. That's it. Can we go now? Fuck you guys. Get out of here. C'est pas très professionnel de leur part, je trouve. Le mec est en train de me parler, mais je m'en fous en fait. Comportement de Trench, avez-vous remarqué les récentes tensions entre Trench et Darling? Ils se conduisent étrangement ces derniers temps. C'est Trench qui m'inquiète le plus. Son hostilité soudaine envers le projet de Darling ne ressemble pas. C'est lui qui a prouvé les recherches sur le polyèdre, mais après que Darling a dévoilé les ARP, il était livide. À titre personnel, je ne vois aucune raison de ne pas équiper le personnel du bureau d'un appareil de protection supplémentaire. Surtout s'il est aussi puissant que Darling le prétend. Qu'en penses-tu? Tu as remarqué des choses chez ces deux-là qui te semblent bizarres? Il faut qu'on se voit pour en parler bientôt, avant la prochaine réunion des chefs de bureau. M. Qui est ce M? Thanks for bringing down that... whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. Jeffrey? Check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. But I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and... well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Ok. Pour venir à mon miam, je vais faire des pâtes avec une sauce bolo maison. Extra viande surtout, souris les végétariens. Ça arrive. Ah mais regardez maintenant, c'est affiché. Ah là là. Trop bien. Oh là, ça va pétarader. Hein. Moi je vous le dis.
Il y a un queutru là-bas. Moi, je veux le queutru. Arish wasn't kidding about that monster. Putain, ouais, dis donc. Par les sauces bolo. Mais pas loin là. Hein. You showed me the HRA when I first got here and the machine that makes them. Can you help me find a prism? Il y a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? Shit. They're shattered. What the fuck? Elle est là. Tiens. Let's hurry up and find Darling's lab. Je crois que je t'avais pas vu là. Donc nous avons désormais des ennemis invisibles. Super. Il n'y avait rien d'autre a priori. Hein. Alors, recherche et archives. Les agents déformés par le IS sont capables de devenir totalement invisibles et d'émettre une onde de choc étourdissante puissante à proximité de leur cible. Curieusement, le déformé ne semble pas capable d'employer les deux capacités en même temps. Il attaque, il doit se rendre visible. Le déformé est unique car il manie une capacité paranaturelle précédemment connue du bureau. Peut-être le puisse-t-il dans un objet de pouvoir qui reste encore à découvrir. Comment son invisibilité fonctionne-t-elle? Le déformé devient-il temporairement pur par résonance? Non, pure résonance. Exploite-t-il la résonance du IS pour effracter la lumière? La déformation de cette entité du IS est remarquable, car elle est profonde. L'hôte humain devrait certainement être mort après une altération aussi poussée, ce qui pousse à s'interroger. Les contaminés sont-ils simplement des cadavres animés? Le dossier contient un rapport complet multimédia. There are areas in the oldest house where under the right conditions, when the frequencies match, other dimensions leak in. We call these areas thresholds. The quarry is one of the more stable thresholds in the maintenance sector. That's where Blackrock comes from. Extra-dimensional matter. It has the unique property of blocking out a lot of frequencies. A good thing. It keeps things stable, contained. Think of it as paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Blackrock line firebreaks are about. The panopticon container cells. Sorry to interrupt, sir, but I need the code for the quarry elevator. Oh, Emily. The codes. Blackrock 665. Neighbor of the beast. Get it? We can do that again if you... C'est un petit rigolo.
Et B, Patrice, sécuriser les mots de passe. C'est clair qu'il y a un code à 3 chiffres. Pas ouf, hein. La pierre noire. Depuis sa découverte, la pierre noire a permis au bureau de faire de grands progrès en matière de confinement. Ce rapport explique comment cette structure est faite d'une densité qui annule toute résonance dans une gamme allant de A Hertz. Les innovations du bureau qui incorporent de la pierre noire y sont analysées, plus particulièrement les coupes-feu, des merveilles d'ingénierie conçues pour contenir toute flambée, attaque ou menace interne. Le but de ce rapport est d'encourager le personnel du bureau à envisager les innovations utilisant la pierre noire, étant donné que les progrès dans ce domaine sont significativement réduits ces dernières années. Le dossier 593-1733 contient un rapport complet. You heard that too, right? Black rock comes from a threshold, the quarry. So, the prisms must be there too. Think of it as paranatural. Our research. J'ai eu quoi là? Ah, j'ai eu la clé numéro 5. Oh là 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 là. Moi, je vais aller voir ce qu'il y a là-haut avant, moi. Non ? Voilà, il y avait des trucs là-haut. Putain, le mec est pendu, là. Pendu dans le vide, juste derrière, là. Des vestiges de litière. Ce serait tellement plus rigolo si c'était pas de la lisière, mais de la litière. Imaginez. Ah! Ah, faut que j'aille là-bas maintenant. Everything here is crazy. Weird, but it feels right. Like how the world should be. I am in an infinite building leading to different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm happy. Coucou Bibi, un bisou en passant, bravo pour ton week-end de stream, des bisous, bah merci beaucoup, je me suis bien éclaté. Ah oui. Allez, deux. Heureusement qu'on a augmenté la précision de 22%. Hein. Sinon, ça serait la merde. Hein. On est où là? D'accord. Ah, on est au-dessus du truc. On a gagné du vestige de litière. Oh non! Super. La porte, tu peux y accéder que dans un sens, pas dans l'autre, quoi. Ah, merci les gars. Hein. Attendez. Ça, non, c'est le traquenard à chaque fois. Ventilation à chaque fois, c'est un traquenard. Respect his
Voilà. Ils vont encore être 12 000 là, à me tomber dessus. Pas craqué que pour des HDG aussi pris de la RAM, je vais avoir 64 gigas. Mais quel intérêt d'avoir 64 gigas? Pourquoi? Attendez par là. Pourquoi il y a une pièce où j'avais pas été là? Pourquoi il y a une pièce où je suis pas allé? Ouais non mais j'ai encore me paumer, vas-y, vas-y, c'est bon. Je vais suivre le... On ira à la fin. C'est moi. Hop. Alors là, je sais pas s'il faut que j'aille à gauche ou... Évidemment. Merde. Allez. Cabri là. On est là. Allez. Voilà. Un de moins. Oh merde, oh y'a les relous. Voilà. Ah zut, zut, zut. C'est fait, c'est bien. Oh, j'ai fait deux objectifs là. Donc on va aller valider ça tout de suite. On est à côté du point. Hop, les contre-mesures, ça c'est fait. Bam, validé. Là. Quoi? Oh là, mais regardez ça. Là, je peux rien faire. Je suis obligé à chaque fois de partir et de revenir. C'est chiant. En mode perfo. Eh ben, je vais mettre le perfo. Tuer soldats, Ice. Secteur de recherche et capacité. Tuer des experts en démolition du IS. Sans subir de dégâts. Tuer des agents contrefaits par le IS dans le secteur de maintenance. Ah, ça tombe bien, je suis dans la maintenance. Contrefait fantôme du IS dans le... Ouais, je vais sûrement en avoir, ça. Je vais sûrement en avoir.
Ah bah je peux choisir un troisième truc. Essayez ça. Hein. Les constructions, on s'en fout. Par contre derrière, j'ai mis le mode rotation. Je le change. Je mets le mode perfo. Alors ça fait quoi le mode perfo? Ok. C'est la grosse pétoire quoi. Le mode perfo c'est vraiment la grosse pétoire quoi. C'est lent comme tir, pas fun. Ouais mais t'as vu la grosse pétoire? T'as vu la grosse pétoire quand même? Alors effectivement ça tire pas vite mais... ça met des bonnes grosses bastos quoi. Là faut que j'aille à droite. Ah. Non mais du coup par contre c'est sûrement là où je reviens. Mais pas de là où j'arrive, enfin ou de là où j'y vais. Donc dommage. Faisons demi-tour. Ouais, faut sûrement que je prenne l'autre ouverture quoi. Ok. Dommage. Oh, peut-être va y avoir de nouveau les ennemis. Peut-être qu'il y aura de nouveau des ennemis, je vais pouvoir les flinguer avec mon truc de l'inspecteur Harry là. Non. Avec le flingue de l'inspecteur Harry. C'est un peu ça en fait. Hein. Ok, par là. Je vais où après? Par là. Quoi? Censé être là? Mais voyons. Attendez. À moins que je comprenne rien, mais trouver la carrière de la pierre noire. C'est censé être là, quoi. Hey, regardez, c'est tout rouge là-bas. On voit bien qu'il y a un truc. Bon, a priori c'est pas là. Ah! Des ennemis!
Ah merde! On peut pas rester appuyé trop longtemps. Merde. Non, change! Merde, 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 merde. Oh la pétoire quoi. Oh la méga pétoire. Ah putain ça... Ah ouais effectivement ouais. Ah y'a deux balles mais J'y arriverai un jour. Hein. Je vous promets qu'un jour j'arriverai à trouver le bon bouton du premier coup. Oh la pétoire quoi, ça fait chpla ! Zbra ! Mais non mais j'y arrivais pas. Et donc c'est là-bas ? On va essayer. Je vais voir si je peux passer, mais je crois pas quoi. J'avais rien vu de pour passer. Me trompe-je? Ça risque que du coup j'ai débloqué le machin là. Les contre-mesures là, celui-là c'est fait. Voilà, le mode perfo c'est fait. Évidemment, je ne peux pas choisir un truc. Avec la perforation, tuer des snipers du Hiss d'un tir à la tête dans le secteur de la recherche. Enfin, ça commence à devenir spécifique quand même. Bon. Ah, regardez, je peux pas y aller là. Non seulement je peux pas y aller, mais en plus c'est fermé. Qu'est-ce que le jeu essaie de me dire? Ah bah j'ai bien fait de descendre. J'ai bien fait de me casser la gueule parce qu'il y avait un truc que j'avais pas vu. Plainte. Eh hey Bowser. Eh hey Bowser. C'est... j'ai de nouveau... Attendez c'est... C'est Bowser. Eh hey Bowser, vise-moi ça. La compta persiste à me dire qu'elle n'a pas reçu mes notes de frais. Ils disent qu'elles ont dû se perdre dans le système de tube pneumatique à cause d'une mutation, d'une lisière ou d'une autre saleté de ce genre. En plus, sur les originaux, ils ne peuvent pas vérifier mes dépenses, donc adieu le remboursement. Quelle connerie! Pourquoi est-ce qu'on se sert du système pneumatique pour commencer s'ils balancent le courrier dans une autre putain de dimension? On fait ça... ça fait du bien de râler maintenant et de remplir une plainte. Quel tas d'incapables! Rodriguez. Putain, vous avez vu, il y a Bowser. Ivre, elle teste les M&M's brownies, c'est dégueu. Dommage. Rien ne vaudra jamais un vrai brownie, quoi. Bah ouais, mais il y avait tellement de trucs, là. Et je cours... Tous les jours. Eh ben je ne sais pas. Et je vais rester planté là. Ça marche pas. De
De toute façon, j'ai pas la hauteur pour. De toute façon, là, il y a une grille, donc ça ne marchera pas. Je grimpe là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien, qu'est-ce que je pensais. Mais du coup, je peux rentrer soit par là, soit par l'autre côté là. Mais trouver la carrière. Non, mais trouver la carrière de la pierre noire. J'ai encore pas suivi ou. C'est ça, il y a encore un truc que j'ai pas suivi. J'ai pas écouté le jeu. Ratata. Je devrais pas être là, je crois. Il y a un truc là-haut. Je vais pas lire par contre hein. Ouais, va te faire une petite tisane, ouais, ça va te calmer. Bon, moi j'aime bien BattleTech, mais je suis nul, j'arrive pas à passer la troisième mission obligatoire de la campagne. Ah. Dommage. Bon. Et bah écoutez. Bonne soirée, hein. Et puis j'ai pas de mission secondaire, on pourrait dire je vais faire une petite mission secondaire quoi, mais j'ai même pas de mission secondaire. Mais je piche pas quoi. Oh mais elle arrive même pas à s'accrocher là quoi. Oh là là, la pire. Et quoi là? Que dalle. Oh non, mais encore! Oh là là! Merde. Change! Pitié! Bisous les gars. Oh là, là genre il a rien pris lui. Tiens. Voilà ma pile de documents. J'ai foutu un sacré merdier là. Hein. J'ai foutu un sacré merdier. Besoin d'aide? Attends, je regarde encore une fois et puis. Je te demande après. Merde, mais il est où? Il est où le checkpoint?
Alors, the checkpoint is here. Les contre-mesures. Bam. On a quoi d'autre? Exécutif. Donc. Attendez, parce que est-ce qu'ils me disent des trucs Il y a le labyrinthe, ça j'ai rien compris. Non, c'est en maintenance quoi, mais il y a la salle à la con là que j'ai pas dans laquelle je suis pas allé. Parce que sinon voilà, paf. Regardez, je vais là. Je vais regarder mon objectif. C'est là-bas. Alors on voit bien qu'il y a un truc derrière les caisses à savon là. Mais je peux pas utiliser le chariot là. Ça, si tu n'utilises pas. Je peux pas l'utiliser. Regardez, il y a un truc là. Ah! Non, on peut pas passer par là. Complique pour rien. Comme ça, je me complique pour rien. Toi, je sens que tu vas encore me dire tiens, fais ça, alors que c'est un truc que je viens de faire il y a 2 secondes. Je peux pas ouvrir les portes là. Exactement. Ce que tu fais, ça sert à rien. Oui, bah ça je... Bah. Oh merci Captain Obvious hein. Non, c'est de l'autre côté. Évidemment. What?
L'autre il est en train de tirer dans les... Il est en train de se tirer dans les pattes lui. Ouais, il a l'air d'être malin lui hein. Je suis tombé sur un fucking génie. Je vais où? Je vais à la porte que j'avais pas réussi à ouvrir. Tu vois, là il y a une porte. Il y a une porte pas ouverte. Et ouais. Et ouais. Et là je me rends compte que c'est la tâche d'en dessous. Et ouais. Et donc ça sert à rien que je sois là. Ah non, regardez ça. Ah, la porte elle est fermée en fait. Ah dommage. Attendez, il y a une mission qui vient de s'ouvrir. Allez à la recherche centrale. Non bah vas-y Johanna, je veux bien un coup de main là parce que je pige rien. Ah ça y est, là, de nouveau c'est... Retourne au laboratoire de la pierre noire. Fallait que je monte, c'est ça. Il veut pas me parler lui. Pourquoi personne veut me parler là? Oh, il y avait une porte là. Donc là, raccourci. Ok. Et merde.
Fuck! Ah, il me one shot pas, il me trichote. C'est ça que je voulais faire. Allez, moi aussi je te trichote. Allez hop là. Merde, il y en a encore un. Hop là, hop li, hop li, hop là. Et donc, j'étais à fond sur le lancer meilleur pouvoir et presque pas sur le bouclier, mais en vrai augmenter il est top. Oui, le bouclier tu peux, après tu peux le renvoyer et tout, ça peut être pas mal, ouais. Simon, mais. Oh là là, je viens de comprendre, ok. Je viens de comprendre sur la map comment ça marchait. En fait, c'est juste parce que je suis pas sorti par la bonne porte tout à l'heure, quoi. Putain, c'est juste parce que je suis pas sorti par la bonne porte tout à l'heure. Et puis, vu que j'ai essayé de revenir et que j'ai pas réussi... Oh, c'est un peu la merde quand même. Ah, vous direz ce que vous voulez, mais je trouve ça un peu merdique. Hein. Et panneau est moins la carte. Les panneaux te donnent vraiment la bonne direction. Ouais, mais là, quand je suis arrivé sur l'embranchement, il y avait la porte à gauche. Enfin, voilà, je pouvais être tenté d'aller regarder ce que c'était, quoi. Et bon, bah toi. Je suis pas sûr, mais je crois que t'es mort. Toi là-bas, je pense que tout pareil. Il n'y a pas un copain là aussi? Non? Non, c'est bon. Oh, le machin quoi. C'est un vilain ça ou c'est un gentil ça? Ça, c'est un vilain. Voilà.
Ah, un autre. Ouf. Oh. Oh. Oh mais je l'aime. Ouais, donc le passage j'étais au-dessus quoi. Explorer c'est bien aussi, ouais, mais tu vois en fait c'est... En fait la porte, en fait je serais revenu. J'aurais pas été bloqué derrière parce que la porte est de... elle est à sens unique. J'aurais pas été bloqué, je serais revenu quoi. Je sais pas pourquoi cette porte là en particulier est à sens unique. Ouais ouais, j'avais pas vu qu'il y avait un étage quoi aussi. J'avais pas du tout fait gaffe à l'étage quoi. J'ai pas souvenir d'une porte à sens unique. Bah en fait là c'est justement là, tu vois là quand j'étais à l'étage, là sur le palier je suis allé tout droit. Là pour arriver au machin. Et en fait la dernière fois, enfin juste avant, j'avais pris à gauche, puis une porte, et quand en fait tu passes la porte, tu peux pas revenir en arrière. Elle est, tu passes, elle est verte, et quand tu reviens, et bah elle est rouge. Et tu peux pas revenir. Et je me suis fait baiser comme ça. Donc j'étais sur le bon chemin, mais le jeu m'a dit bah non. Non. Quand je trouve un point de sauvegarde, t'as une énigme à me proposer. Okay. Là y'a rien, là y'a rien. Bon bah y'a le gros ascenseur. Hein. Elevator's broken. Gotta get down the old fashioned way. Ah là là, un ascenseur en scénarium. Alors ça, je l'ai pas vu venir. Hein. Tiens, tiens, tiens. Allez, blâme. Des bisous Blacky, profite bien de ta soirée. Amuse-toi bien. Mais pas trop quand même, histoire qu'on soit pas trop jaloux. Hein. Parce que si tu t'amuses plus que si t'étais sur le stream, après on va tous être jaloux là. Que bof. Ce qui est jaune et qui attend. Un monstre dans contrôle. Ah d'accord, c'est là-bas. Okay. Sur les étagères ? A priori. Merde. Merde.
C'est tout ? Hop. Et sur ce, petite pause. Oui, Johanna, je n'ai pas explication. J'étais. Ça ah ouais, moi je savais. J'ai pas voulu. Enfin voilà, je l'ai pas dit parce que après c'est à toi de le dire. Mais effectivement, mais là on n'a pas parlé de ton dead name. On a juste dit c'est les ennemis dans contrôle. Petite pause. Des bisous YouTube. À tout de suite.